Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo donc plutôt orientée Proxmox puisque nous allons voir comment créer un conteneur LXC pour y héberger en fait Adegardom qui est une solution que je vous avais déjà présentée sur Raspberry en utilisant un conteneur Docker de mémoire. Donc c'est un bloqueur en fait de publicité et l'idée en fait c'est que vous le paramétriez au niveau de votre configuration réseau. Justement, dès que vous allez sur un site web, votre PC, votre téléphone en fait qui est sur votre réseau local, a justement interrogé Adegarde qui fera le rôle du coup de serveur DNS pour qu'il puisse éventuellement filtrer ou alors contrôler le type de site web que vous voulez, auquel vous voulez accéder pour justement l'autoriser ou non. Et puis bien entendu, du coup, toutes les requêtes qui sont lancées en toile de fond lorsque vous naviguez sur un site web, elles concernent des URL qui vous traquent, bah justement, Adegarde va les filtrer. Donc voilà, c'est plutôt pratique et c'est assez rapide à mettre en place. Donc bah, sans plus attendre, je vous propose de commencer pour le mettre en œuvre. Donc la première chose à faire, alors comme d'habitude, hein, je mets le lien vers l'article hein, dans la description de la vidéo. Donc la première chose à faire, c'est, puisqu'on va créer un conteneur LXC sous Proxmox, bah, c'est d'aller mettre à jour les templates LXC disponibles. Donc on se connecte en SSH sur votre autre Proxmox et vous tapez la commande pvim update. Moi je me suis déjà connecté en SSH hein, sur mon autre Proxmox. Je tape la commande et voilà, update successful. Vous voyez, c'est assez rapide. Et donc ce qu'on va faire, nous, c'est on va utiliser, bon, j'utilise Debian hein, par défaut, donc on va aller utiliser le template Debian 12 standard. Donc on se connecte sur son Proxmox. Hein. Donc de mémoire, hein, je les mets dans NFS1 Node, mes templates, voilà. Donc là, vous avez la liste des templates disponibles qu'on vient de mettre à jour et Debian 12 standard. Voilà, il est là. Je le télécharge. C'est tout bon. Et donc derrière, on va venir créer, comme je vous propose ici dans l'article, le conteneur. Donc ça va être un conteneur tout bête. Hein. Le file system de 8 Go, c'est largement suffisant. Et ensuite, en termes de configuration, on va dire hardware, on va mettre un cœur, 512 mégas de RAM. Puis comme d'hab, au niveau du réseau, on sélectionnera non pas une IP fixe, mais DHCP, donc pour que votre routeur, donc votre box, attribue l'adresse IPv4 au conteneur. Donc on retourne en Proxmox pour créer notre conteneur. On va ici, créer conteneur. Donc moi mes conteneurs, vous voyez, c'est plutôt avec ceux qui commencent par 2. Donc on va prendre 206. Vais appeler test. Test à l'égard. Donc on laisse bien un nom privilégié. Nesting, on laisse cocher au niveau du password. Là c'est le password hein, l'utilisateur root qui sera créé. Donc comme d'hab, vous pouvez également loader une clé publique SSH si vous en avez une. Donc moi je vais prendre celle qu'il y a sur mon PC, c'est plutôt pratique. D'abord aller dans téléchargement. Ici, voilà. Donc là, on va venir sélectionner le template Debian qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc moi. Le stockage en fait qui contient mes templates, c'est NFS1 Node, on l'a vu tout à l'heure. Et donc on va venir sélectionner le template Debian. Au niveau du file system, donc du conteneur, donc là je vais le laisser en local LVM. Enfin, normalement, hein, mes autres conteneurs de prod, on va dire mes VM de prod, je les fais plutôt tourner sur mon. Je les héberge en fait les disques.
pour mon NAS. Donc, normalement, pour ma prod, on va dire, j'utilise NFS Red, mais là, vu que c'est pour un test, je vais le laisser en local sur mon autre Proxmox. Le disque, ce que je vous disais, 8 Go, c'est largement suffisant. Donc, on va laisser ainsi. En termes de CPU, encore, c'est également suffisant. En termes de mémoire, vous pouvez laisser 512 MB, c'est largement suffisant aussi. Et au niveau du réseau, ce que je vous disais, sélectionnez DHCP. Et c'est tout. Et vous pouvez confirmer. Voyez, c'est assez rapide. Donc, on va venir la démarrer. Et voilà, nous sommes donc connectés. Alors, ce que je vous propose pour faciliter les copier-coller, c'est que je vais avoir une connexion SSH sur mon depuis mon terminal. Pour connaître l'adresse IP hein, de votre conteneur, je vous ai mis une petite commande là. On va la coller ici. Donc voilà, c'est 192.168. 1.49. Si je me connecte en SSH. Donc me voilà connecté. C'est voilà l'utilité en fait d'avoir chargé ma clé de mon PC local dans la config du conteneur, c'est pour la connexion. Et j'ai pas besoin d'entendre mon mot de passe, c'est plutôt rapide. Donc la première chose à faire, c'est de venir mettre à jour le système. Hein, donc un classique apt update, un apt full upgrade. Là, ça va prendre un peu de temps. Ensuite, également, ce que je vous propose, c'est de mettre à jour la configuration des time zones. Un petit dpkg, reconfigure TZ data. Europe. Paris. Voilà. Et on va installer curl parce qu'on en a besoin. Donc ensuite, pour installer AdEgardome sur votre conteneur, voilà, j'ai suivi les instructions qui sont sur ce GitHub. Donc je vous ai mis le lien. Vous voyez, pour tout ce qui est Linux, il vous propose en fait d'installer en lançant ce petit script d'installation Bash Shell. C'est ce qu'on va faire. Je l'ai remis ici aussi, hein, si vous cherchez. Donc voilà, c'est installé. Mais c'est assez rapide. Et donc là, ça vous donne en fait, c'est indiqué ici, hein, en bas de l'exécution des scripts. Donc si vous pouvez ici en fait contrôler AdEgardome à travers ces différentes options, hein, start, stop, restart, status, et ainsi de suite. Mais bon, là comme c'est indiqué ici, il est installé et running. On est tranquille. Donc pour se connecter, il faut aller sur le port 3000 donc de l'IP du conteneur. Donc nous c'est 192.168.49. C'est ce qu'on va faire. Donc on tombe sur cet écran qui va nous permettre de finaliser l'installation. Donc là, on dit OK, c'est parti. Donc les interfaces d'écoute, on sélectionne celle en Internet. Le serveur DNS d'écoute,
Mais pardon, si Ethernet. Hop. Donc là, important, voilà votre configuration. Le serveur DNS que vous déparamétrez dans vos configurations des réseaux, que ce soit sous Windows ou sous Linux, c'est celui-ci, 192.168.1.49, à la place de celui qui doit être paramétré par défaut sur votre lors de l'installation de votre PC, qui est le 192.168.1.1 généralement. On rentre ici une configuration d'administration, donc on a un user admin. Donc voilà, là il nous explique justement comment faire cette configuration. Donc si vous êtes sous Windows, il vous explique voilà où est-ce qu'on vous pouvez modifier les paramètres. Si vous êtes un. Ah, il ne nous dit pas, tiens, sous Linux. Bon, on peut vous montrer en rapidos. Hein. Donc, ici, si vous êtes dans les. Alors, moi, je suis sous Debian. Donc, si je vais dans les paramètres, ici, réseau. Donc, là, je suis en Ethernet. Hein. Et vous voyez, là, sous IPv4, j'ai rentré l'adresse IP de mon conteneur de prod à des gardes, qui est en 192.168.1.41. Voilà, j'ai décoché le automatique, je l'ai rentré manuellement, j'ai fait appliquer, et puis derrière, l'important c'est que vous désactivez, vous réactivez le réseau filaire pour que ça prenne en compte la config, voilà. Comme j'ai fait chez moi. Donc ensuite, suivant. Donc l'interface d'installation c'est terminé. On peut donc ouvrir le tableau de bord. On va donc rentrer ici le user mot de passe de l'admin qu'on vient de créer. Et nous voilà donc dans le tableau de bord. Donc bah, c'est normal pour l'instant, il n'y a pas de requête hein, puisque j'ai paramétré aucun ordinateur, aucun appareil qui viendrait interroger à des gardes. Donc l'important c'est ici au niveau des paramètres généraux. Alors là vous pouvez choisir l'intervalle de mise à jour des filtres hein, comme vous voulez. 24, moi j'ai laissé sincèrement sous 24 heures. Hein. Donc vous pouvez voilà paramétrer aussi la recherche sécurisée sur les différents navigateurs si vous voulez. Activer un journal. Hein. La rotation des journaux, moi j'ai paramétré à 7 jours hein, sur le mien. Je n'ai pas souhaité garder plus. Vous pouvez même anonymiser si vous le souhaitez, voilà l'IP des clients. Les stats, pardon, j'ai laissé 24 heures. Donc là, il faut faire enregistrer bien sûr. Ok. Paramètres DNS, donc là voilà, vous pouvez, ça c'est important. Là vous pouvez, moi j'ai laissé un quad 9, mais si vous souhaitez en fait, vous cliquez ici, vous avez différents de mémoire fournisseurs voilà, qui sont connus. Ils vous les proposent en fait, hein, et à chaque fois vous avez le paramétrage à faire. Si vous voulez, voilà, je vous conseille à chaque fois de choisir DNS par HTTPS, et donc vous pouvez ici recopier la config. Et puis ça vous permet en fait de changer à la place de Quad9. Donc vous avez notamment, je crois, Cloudflare et Doviette. Là sur Cloudflare, vous avez une config standard. Vous en avez voilà, une configuration DNS qui bloque uniquement les malwares. Enfin bref, ici pour les malwares et le contenu pour adultes. Donc voilà, il y a différents, on va dire. Une liste de filtrage, je peux le faire. Donc voilà, c'est plutôt pratique en fait. Et le petit truc à penser également, moi ce que je vous ai mis ici, j'ai rajouté également cette ligne qui concrètement va dire à des gardes pour toutes les URL en point home, je veux en fait qu'il aille interroger comme serveur DNS ma box. Donc voilà, ça me permet en fait de faire la résolution DNS pour toutes mes adresses locales, pour tous mes autres locaux. On applique, et puis vous pouvez même tester pour vérifier que ça fonctionne. Voilà.
Ça fonctionne, aucun problème. Donc sincèrement, au niveau des paramétrages, c'est les seules choses que j'ai changées. Hein. Au niveau des filtres, hein, voilà, vous avez différentes listes de blocage possibles. Donc vous pouvez les activer ou pas. Là aussi, vous choisissez dans la liste. Vous avez toute une liste par thématique, voilà. Donc moi, je vous laisserai un peu de lecture si vous voulez en connaître un peu plus ce qu'il y a derrière chaque liste. Mais bon, normalement, si vous cliquez sur l'information, vous voyez le détail ici, là, par exemple la source hein, de la personne. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Sincèrement, c'est assez rapide, comme vous voyez, à mettre en place. Et puis voilà, ça garantit une certaine confidentialité, on va dire, de vos données. Donc à moindre frais. Donc pourquoi s'en priver? Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!